une révélation vite fait. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer clairement. Clairement. Voilà. Ceux qui disent que oui, pourquoi c'est le délai n'investit pas en Guinée, etc., etc. Maximum de partage. Et à partager d'abord, massivement, je vais vous expliquer quelque chose et vous allez comprendre que c'est la vérité, c'est pure vérité, vous comprenez, non? Je vois certaines personnes, beaucoup de personnes qui viennent sur la toile, soit disant que oui, pourquoi, c'est le délai. Yeah, salut mon frère, pourquoi c'est le délai n'investit pas en Guinée? Hey man, voilà la vérité là aujourd'hui. Voilà la vérité là aujourd'hui. Celui ne peut pas investir en Guinée. Il ne peut pas investir en Guinée parce qu'il a affaire avec des vampires, des sanguinaires, des dictatures, des etc., etc. Donc c'est impossible pour lui d'investir en Guinée. C'est impossible pour lui d'investir en Guinée. Plusieurs personnes disent que oui. Pourquoi Isselua était meilleur investisseur à Dakar, au Sénégal au moins? Vous comprenez, non? Mais pour moi, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Parce que tu ne peux pas investir en Guinée des milliards, des milliards, des milliards de francs guinéens et qu'un jour, paf, le gouvernement vient te dire que oui, à ce Rikaminariki. C'est impossible. C'est impossible. C'est ça qui est arrivé à M. Antonio Soari. C'est ça qui est arrivé à M. Antonio Soari. Si réellement M. Antonio Soari avait financé un autre pays, vous pensez qu'il n'est pas héros aujourd'hui? Vous pensez qu'il est qui aujourd'hui? Oui? Oui? Mais c'est vrai. Vous pensez qu'il est qui aujourd'hui? Mais comme vous n'arrivez pas à comprendre, personne, aucun bailleur de fonds ou bien aucun businessman ne peut investir avec le gouvernement là. Vous comprenez, non? Donc, il n'y a pas plus simple que ça. Il n'y a pas plus simple que ça. Il n'y a pas plus simple que ça. Aujourd'hui, qui pleure? C'est Antonio. C'est Antonio qui pleure aujourd'hui. Il a pris son argent, son propre argent. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les Guinéens sont ingrats. L'ingratitude là, les Guinéens sont des number one. On est premier dans ça, l'ingratitude, vous comprenez, non? Parce que sinon, en tant qu'un patriote comme lui, il a dépensé des milliers, des milliers, des milliers de dollars pour la jeunesse guinéenne, pour les Guinéennes au moins. Mais aujourd'hui, il est où? Il est en train de pleurer. Personne n'a fait quelque chose pour lui. Personne, je vous dis. Personne n'a fait quelque chose pour lui. Aujourd'hui, il y a les gens même qui se moquent de lui. Et pourtant, les Guinéens qui raillent. Plus de combien de mille employés Naramedi Girato, il est là-bas aujourd'hui, zéro. Mais aujourd'hui, il n'a rien. Il n'a rien aujourd'hui, vous comprenez, non? Donc, c'est un peu gauche. Les Guinéens, ils font un vampire, ils font un corps. Vous pensez qu'il est bête, il est con comme vous? Il n'est pas bête. Il a raison. Aujourd'hui, Seloudel a eu raison sur les Guinéens parce que milliers de Guinéens posent cette question. Pourquoi lui, il n'investit pas en Guinée? Mais il ne peut pas. Il ne peut pas avec le gouvernement. Le gouvernement, c'est un peu de personne. Mais il y a courage de dire que le gouvernement modèle est un milliard. C'est impossible. Mais tu as un peu de temps. Ouais, la vérité est là.
Et celui-là a été meilleur investisseur au Sénégal. Il a embauché des milliers de personnes, des milliers de Sénégalais qui travaillent pour lui. Mais qui ne peuvent pas faire les investissements chez lui pour embaucher sa jeunesse? Personne. Tout le monde veut embaucher sa jeunesse. Mais pourquoi pas nous? Parce que ce gouvernement, c'est un gouvernement sorcier, un gouvernement vampire. Idem que M. Alpha Condé, le premier magistrat, leur premier magistrat, c'est un vampire, un coromerie, Gongoli. Voilà, donc c'est un peu ça. Arrêtez de dire que oui, pourquoi Ramadi Tamouale Mabé, Amouale Rebé, c'est pourquoi moi je vote pas pour lui. Amouale Rebé, c'est pourquoi Minsen Aïbé, c'est mon Aïbé, Ntamouno m'a soutenu à Souri Kaminariki. Hey, arrêtez-moi ça. Parce que tout simplement, vous êtes bloqué dans la tête. C'est pourquoi vous pensez comme ça. Vous avez vu aujourd'hui ce qui est arrivé à Antonio. À Berri Renaki et puis me Berri Fahara Société Balan. À ma manière, on est que, ouais, avec cette société-là, il y a plus de 10 000 ou bien 15 000 personnes qui travaillent avec lui. Plus de 10 000, 15 000 personnes qui travaillent avec lui. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, si tu connais pas, il faut demander. Voilà. Ahmed Cheikh André Kourouma, tu penses que c'est Loudalé, il est égal à ton papa? Il n'est pas égal à ton papa, hein? Voilà, il n'est pas égal à ton père. Il est plus que ton père. Il a été meilleur investisseur ici au Sénégal. Va demander RPG, va demander ton président Alpha Condé, il va te dire. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse africaine? Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse guinéenne? Va demander ton prat, ton président, il va te dire que oui. Il va te dire que oui, c'est vrai, celui-là a été meilleur investisseur au Sénégal. Tu penses qu'il est égal à votre famille là-bas? Les ethnos comme ça là, Ngaïe. Donc la famille, tout ce qui veut investir, quand tu pars investir en Guinée, c'est fini, tu es mort. Tu es mort, tout ce qui veut investir en Guinée, refuser. On a Rasgana, parce qu'il n'y a pas la garantie là-bas. On a ce gana, on va perdre, on va famille, on va perdre, on va bien là. La rébellion, on va investir, on va mettre le gouvernement à quel est, dégager. Il est dégagé, on va investir. Mais comme ça là, toute personne, la rame, on va se faire investir. La Guinée, il va y avoir. Non, Antonio Massotoriki, il est tort aujourd'hui. Amounoma Wendi. Antonio Fane Gambino, ou bien va Sénégal, ou bien va Mali, Côte d'Ivoire, en tout cas, un pays beau rebelle. A sa investissement là-bas. Rien ne signale. Ali Mane, tout sera well, ou les renoms. Mais vous avez poussé l'homme là d'aller investir en Guinée. Maintenant, il a investi là-bas en Han. Maintenant, avec votre femme là, mais c'est d'Engiri. Sinon, un simple investisseur, il n'a pas accompagné une société bloquée de Misema. Quelle jalousie! A Misera Barrera. Si je ne me trompe pas, votre impôt même a témoigné ça. Que la seule société ou compagnie qui paye l'impôt guinéen régulièrement, c'est Guinée Games. Nous avons un impôt. Voilà, si vous avez oublié ça, nous on n'a pas oublié. C'est l'impôt même qui a dit ça. C'est pas nous. Je vais faire un impôt film à Morita de Feu, c'est Antonio Guinée Games. Voilà, donc jeunesse guinéenne ou de Roménie, tore bilen qui n'a pas fait du sud ou roméki. On nous dit merena ba kefu yorana kefu musimba bande sono. Au barato, c'est l'une de la société, la usine, la compagnie, etc. À Walifa, au Sénégal, tranquille. En Sénégalais, on dit trop fait, soyez. Non, quand c'est le bravo. Non, vous êtes intelligent. Oui. Non, le monsieur là est intelligent. Ouais. Comme les autres, c'est des bêtes. Est-ce qu'il y aura un milliard à investir?
et c'est Ramilia investi. Jeunesse et jeune, nous sommes gouti, Rambua. Antonio Tanambe, Aitanambe, Ndenga, Afalama Antonio Rambe, Antonio Tanambe, et son excellence, Antonio Tanambe. Aujourd'hui, il est où? C'est lui qui pleure aujourd'hui. La jeunesse guinéenne, vous êtes où? On a besoin de faire un dunia. Vous êtes même, vous êtes incapable même de sortir, défendre le monsieur là. Après, vous faites réseau, ma, ou bien tapis, etc. etc. Un peu partout, où nous sommes warati. Itanambe, itanambe, soirée, itanambe. Indenga, bon, il fallait mettre en amoube, itanambe. Nana fala ma berembe imeryo ni kam fin de combattant nana fara la Guinée jeunesse be na ga be to wa fara bare fara et la vie continue il fara manalo to wa il fara lo to wa kam fin de sandara ya tam fara fe la Guinée jeunesse be jeunesse inconsciente comme ça il na fara la Guinée jeunesse be ala bare bon et puis mon na fara maleke ni sougnya et ni tongo fo jagana makui parce que la Guinée jeunesse est une jeunesse inconsciente. C'est une jeunesse qui n'a pas la savoir de vivre, qui ne connaît pas ce qu'il veut. Donc, il y a une jeunesse qui est libérée. Il y a une jeunesse qui est une jeunesse hypocrite. Il y a une jeunesse qui est une jeunesse hypocrite. Il y a une jeunesse qui est une jeunesse hypocrite. Il y a une jeunesse qui est une jeunesse hypocrite. Il y a une jeunesse et n'a pas d'or, mais n'a qui aujourd'hui, comme dit la société, n'a pas l'angle n'a qui. Ah, comme dit la société, n'a pas l'angle n'a qui. Ça, c'est pas de la politique. Quand on parle de la politique, c'est une autre chose, autre level. Mais Guitan, c'est une autre chose. Ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est très loin de la politique. Normalement, les Guinéens doivent savoir que ça, ce n'est pas de la politique. Vous devrez vous lever comme un seul homme, réclamer la justice pour Antonio Soare. Oui, parce qu'il a beaucoup fait pour les Guinéens. Même les professionnels guinéens, les gères guinéens, de local jusqu'à Sili National. Vous devrez vous lever comme un seul homme, réclamer la justice pour lui, parce qu'il n'est pas politicien. Pourquoi on ferme sa société, compagnie, etc., etc. Mais la Guinée jeunesse, on dort, mais on a une gosse, on a fait la maman qui est en bas, Antonio, elle a eu tout, elle a eu ça. Jeunesse, vous voulez dire, on a eu tout, on a eu tout, on a eu la Guinée jeunesse, on a eu tout, on a eu tout, on a eu tout, on a Guinée, on a eu tout. Et tu as eu Guinée, on a eu tout, on a eu tout, on a eu Guinée, on a eu tout, on a eu nga fala ube nga mago munta na na bote ba fi ya ma wodo ko una fala Antonio tanambe c'est maintenant qu'il a besoin de vous on a quel zone on a fala c'est lu dele mu fi ba be asabi na ba re Senegal ne abasi ga Senegal asa investi Senegal be pa wule o nga mago ya ga na ta na lu uta c'est lu wule nta nga ma fala socio na fala re socio ga we na asira kankolong adoma fa dong. Voilà, pour un homme qui a été en train de se faire investir la Guinée. Quel est le nom de la Guinée? Vieux, comment elle s'appelle? Baben, comment elle s'appelle Baben? Saloua. Ouais, Baba Saloua, il y a un homme qui a été. Le gouvernement a tout bloqué. Et Rassé est bloqué, c'est qu'à Kindi, il y a un magasin, plus de combien de 1000 personnes ont embossé. Et ça a bloqué, c'est mon mini. Le mois passé, c'est un rare. Redi n'a pas de l'eau, il y a un maïa, il y a un maïa. Et jeunesse guinéenne, il y a un rare. Ah, il y a une question, il y a un mot de nous faire. Eh, ma grand, il y a 5 mètres sur toi. Ah, ma grand, il y a 50 dollars. Eh, il y a 50 dollars sur la Guinée jeunesse. Il y a un. Vous pouvez faire une barre, il y a une bande de Guinée, ça a donc. Barre, il y a 50 dollars sur la Guinée jeunesse. On préfère un sobar que mon nom bandigine, mon nom mon nadon, mon boisson ming. Un sebo qui n'a sebo corima, mon golamba n'a sebo manifan. Oh, n'a ma cobin sur la Guinée, motherfucker. N'a ma go bambenana montana. Oh, n'a ma go bambenana, ou d'or, nous sommes à tête en ambé, en ambé. Ah, celle-là, ma rame, c'est nous, eh, autant be yaren en akotoa.
otambe yaga na nakotoa odo ko onum para para ukama onum para para meni onum para para onum para para naga mula gina jene kolone na ngonyi fuwa mede nene ngonyi fuwa mede seri ma da ko ka fa gina jene sa ka fiwa